Et bonjour tout le monde! Alors, la dernière fois, je me suis fait attaquer, je pense, si je me souviens bien, que je venais juste de me faire attaquer. Donc là, j'ai normalement le temps de continuer et me faire une ou deux petites missions avant que ces saloperies de pirates, d'ailleurs, il s'agissait de Star-Lord Thunder. 209 000 en pouvoir. Juste pour voir. Ouais, ils sont quand même assez puissants, hein, ceux-là. Est-ce que les autres pirates... Et c'est même les plus puissants des pirates, en fait, qui m'attaquent. Niveau moyen du soldat, 45. Ouais, bah si, ça, tu m'étonnes. Ah ouais, mais 45, ils sont quand même trop costauds, là. Je vais pas pouvoir m'attaquer à eux tout de suite. Je pensais que j'allais pouvoir le faire, mais je peux tenter quand même. Mais ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon du tout. Qu'est-ce que je pourrais bien. Parce que les autres, ouais, 45, 30. Je les morta. Ici, 20, 55. Alors, m'attaquer. C'est niveau moyen du soldat, 45. C'est quand même beaucoup. C'est quand même trop. Mais je me demande quand même, est-ce que je vais pas tenter? Au pire, je reprends la sauvegarde. Je vais voir. Je vais tenter. En fait, il en reste. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Star-Lord Thunder. Par contre, c'est quoi? C'est classé par niveau? Juste pour voir. Ah, ils sont quand même cinquième, hein, les gars. Hein. Niveau puissance. Si j'y vais, je pense que je vais me faire péter la gueule, mais je vais quand même tenter. Puissance 190, 240, 265. Et si je tentais, du coup, là, je crois qu'il me manque, surtout, c'est des outils. Donc, on va peut-être tenter quand même. On va tenter celui-là à 190. Il veut jouer au malin avec moi, il n'y a pas de problème. Ah ouais, quand même. Non, en fait, non. Là, je vois les types de vaisseaux qu'il y a en défense. Non. On ne va pas s'attaquer à eux. D'accord. Non, non, c'est bon. Ok. J'ai rien dit. On va se faire tout simplement le dernier que je peux attaquer. On verra comment ça se passe. Se passer après, je peux pas sélectionner la cible, pourquoi? Je peux pas sélectionner cette cible-là. Ah oui, d'accord. Il faut que je retourne. Ah oui, voilà, c'était pour ça, annuler. Voilà. Et là, je vais pouvoir normalement. Non? Juste pour voir. Si je vais là, c'était celui-là. Ça, je peux sélectionner comme cible. Cela aussi, mais par contre, celui-là aussi. Bah alors, c'est bon? Non, je peux pas. Et pour quelle raison est-ce que je ne peux pas l'attaquer? C'est dingue ça. La maison Séragon. 502, rang 2, puissance 30. Ah, c'est emmerdant ça. Alors, juste pour voir quand même, je voulais attaquer celui-là. Sélectionner comme cible, annuler. Page d'accueil. Si je sors et que je reviens, par exemple. Est-ce qu'il est possible? Non, alors, j'ai juste rechargé quand même. Juste pour voir au cas où. Si ça change quelque chose ou si c'est pas possible du tout. Non, je peux pas attaquer.
Ok, bon. Bon, bah du coup, on va tenter, hein, des thunders là. Ah, mais non, 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 non. Ils sont beaucoup trop nombreux et ça va être trop chaud, sauf si j'y vais tout seul. Je pourrais tenter quelque chose, mais par contre, je pense que... Allez, on va tenter quelque chose. Je sais ce que je vais tenter. Je vais y aller solo. On va faire ça. Et on va les mettre là-bas. Comme ça. Voilà. Oh, je vais voir si ça fonctionne. Admettons que je fasse ça. Par exemple. Et prochaine étape. Et à partir de là, on va pouvoir attaquer. Une fois que je me serai occupé un petit peu de tout le monde. Je sais pas du tout si ça va fonctionner. Mais ça vaut la peine quand même de tenter. Par contre, ça va être un peu long. Je pense que je vais me faire quand même péter. Quoique, je pourrais peut-être me défendre et puis fuir après pour la suite. Ouais, il y a moyen de faire une fuite. Donc là, il y a quand même pas mal, hein. Ils ont 5 défenses. Enfin bon, bref, ils m'attaquent, donc j'attaque chez eux, hein. Ma souris, elle est là, c'est bon. Et surtout que les troupes ne sont pas encore entraînées chez eux, donc là j'ai Cody level 1 quasiment. Et ensuite, passe à l'attaque. Par contre, ça va être la même chose pour le siège, ça va être assez compliqué. Ok, exécuté. Donc ils arrivent là, ensuite ils se déplacent. Là, je crois normalement. Juste pour voir quand même si ça c'était move to. Je crois que c'est ça. On va voir ça. Vrai, vrai, exécuté, donc 744. Je pense que c'est très loin. Je vais voir ça. Sur le saut directement. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster input. Ouais, s'il m'attaque en 3 sauts, 3 sauts pour aller là-bas. Bon, on verra. Allez, porte des étoiles, on passe à l'itinéraire suivant. J'aime bien me mettre à l'intérieur. Please proceed through the gate in the path reserved for you. Par contre, je sais plus si j'ai assez de missiles. You reached the waypoint of your route. Please wait for your ship to be Je sais pas si on les voit ici. Exit permission from the on peut system pas voir le nombre de missiles directement. The next waypoint is being passed. In 3, 2, 1. You reached the waypoint of your route. Please wait for your ship to be scanned. Exit permission from the system has been obtained. The next waypoint is being passed. Entry 2-1. Destination reached. Ok, on est arrivé chez nos amis.
Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster. Par contre, j'aurais dû faire une chose. Est-ce qu'à tout hasard, ils ont une station? Là, ils ont une station. Ouais. Je vais d'abord aller là-bas. Je me demande s'ils sautent avec moi là-bas. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster input. Ils ne sautent pas avec moi là-bas, tant mieux. Ils ne sautent pas du tout. J'arrive tout de suite. Je vais voir si je peux changer mon équipement. Je pense que je vais en avoir besoin. Docking request granted. In order to use station services, please dock to the port reserved for you in the next minute. Oui. Comme ça, c'est peut-être mieux. Landing gear deployed. Hop, 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 calme-toi. Ah bah tiens, ici je vais pouvoir le voir. Ici, non. Là, je peux en charger un petit peu plus. Ok. J'avais pour idée quand même aussi de me faire... de changer de vaisseau, de me faire quelques missions justement pour me faire de l'argent. Il me faudrait quand même quelques millions. Il est temps aussi de changer de vaisseau quand même. Et de prendre du T2, quelque chose de plus important. Marcher. Exactement. Donc ici. Ah oui, non mais oui, d'accord. Les armes. Ici. C'était quoi? Tourelle Rafale. Level 23. Je suis level combien moi déjà? Level 23. Vaisseau. Arme, c'est bien tourelle rafale. 178, 159. Attends, dégâts. Les dégâts de base. 178 et 159. Level 18, quand même, c'est quoi cette histoire? Pour l'instant 64. Ah mais alors attends voir. Portée des dégâts 29%, cadence de tir 9,21. 18%, cadence de tir 29,61. Ah mais alors là c'est quand même beaucoup plus rapide. Je vais la repartir à 6,8, précision 100%. Je vais la repartir à 1,6, ouais. Et 100%. Et 13 211 km/s. Ils sont moins rapides. Mais beaucoup moins rapides. C'est pas super efficace en fait, leur truc là. Plus haut niveau, mais bon, 179 pour celui-là. Alors là, j'ai pas tout compris. Bon, sinon j'y vais comme ça, mais... Et il me semble que j'avais le même problème si par exemple je regarde... Ça, j'ai par exemple, chance de coup critique, on voit pas trop. Celui-là aussi, bénéfice de dégâts, mais je vais regarder surtout pour... Énergie de vaisseau, mais des choses qui changent, c'est pas possible. Bon, bah tant pis, écoutez... Non, j'aimerais ça. C'est tout bon. Ok. On va y aller comme ça. Je vais tenter, puis c'est tout. Et voir comment ça se passe. Parce que franchement, ça m'a pas l'air... Alors, pour la chaleur, c'est vrai que...
mes armes, mais pas mes armes laser, mais les autres, là, c'est vrai que ça chauffe énormément vite. Mais ça se refroidit également énormément vite. Donc en fait, il faut attaquer par à coup. C'est une technique qui a un petit coup à prendre. Mais ça fonctionne bien. C'est vrai que j'ai pas regardé non plus pour les lasers, mais bon, je vais y aller comme ça. Puis si je me loupe, et ben au moins j'aurais essayé, j'aurais tenté. Calibration completed. Waiting for the thruster. Tout ce que j'espère, c'est que le premier step, il s'arrête bien et ils vont pas attaquer. Est-ce qu'ils sont toujours là? Ça a l'air. Très bien, on passe au combat, messieurs. Ce sont les pirates, ce sont eux qui sont venus nous chercher, donc ils vont nous trouver. Point de fuite, d'accord, mais où le point? Là-bas. Maintenant, c'est à nous de contre-attaquer. Ah bah tiens. Attends, voir deux secondes. Ah, j'ai juste pas assez de points. Bon, c'est pas grave. Ce sera pour le prochain niveau. Pas pour tout de suite, mais voilà. Donc nous y voilà. Regardez-moi ce monde. Alors qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils partent à l'attaque ou pas? Ah c'est bon, ils nous déclarent la guerre maintenant. Donc c'est bon, ils partent pas au combat. Ils attendent le prochain step. C'est très bien. Moi je vais partir. Attends voir, c'est moi ou oui? Non, c'est tout bon. On va partir là-bas déjà. Ils sont level 25, 24, donc ça va être un peu chaud. Hein. Weapons online. Regardez combien de temps mon bouclier il peut tenir. Ah mais déjà j'aurais dû le sélectionner. J'ai déjà la moitié quasiment. Target destroyed. Allez, ça en fait un moins. J'ai déjà perdu mon bouclier quasiment. J'ai plus de bouclier. Il va bientôt falloir fuir. Bon, du coup, il y a encore quoi, 2-3. Comment ça se fait qu'il est pété comme ça celui-là? J'ai pas détruit? Target destroyed. Il y en avait un là qui avait pas beaucoup. Allez, on va se barrer de là. Il y en avait 10, il en reste plus que 3. Non, non, je quitte pas la bataille, non. Je me mets juste à distance pour recharger un petit peu mon bouclier. Donc du coup, chez moi, personne n'est mort. Donc tout ça, c'est bon, ok. Ils étaient level 1 avant, ils sont passés déjà au level 4. Est-ce qu'ils se font des niveaux quand je tue du monde? Bah ça serait pas mal ça, c'est une bonne nouvelle. Il y en a un qui est à distance. C'est lequel? Là tout en bas là, ici. Il y a un point, il est tout seul. J'aimerais bien savoir où il est. Je pourrais peut-être me le tenter. En attendant. Pa, 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 pa.
Déjà qu'ils sont 3, mais je vois 4.1 là, donc en fait, ça doit être un gars qui est par là-bas, d'accord. On va y retourner. Non, je quitte pas la bataille. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec toi? C'est qui celui-là? Combattant. Target destroyed. Il m'a bien pété quand même, hein. Deux mille, 27 000, ouais, non, mais bousille quand même. Ah, ils sont quand même très puissants. Target destroyed. Ils sont quand même très, très puissants. Target shields are down. J'étais pas loin là. Allez, si je peux le détruire celui-là. T'es quel level? Target destroyed. Ok, là il n'y a plus personne. Et par contre, ce sont les... C'est la station là, qui me bousille. Comme pas permis. Est-ce que je continue? Est-ce que je sais pas si ça va servir à grand chose. En tout cas, c'est sûr que si j'envoie... Si j'envoie mes troupes là-bas, ils vont se faire défoncer comme ça. Il y en a toujours un qui est tout seul en solo là. Il est où? Ah bah ils sont tous groupés, est-ce que c'est ça là, qui se déplace tout seul? Je suis pas certain. Là, ça bouge pas. C'est pas impossible en fait. Je vais juste voir. S'il ne s'agit pas de lui là. J'ai l'impression que je suis dans sa direction. Là je droite sur lui. Ça doit être lui, ouais, tout à fait. On va le tenter. Ça doit être un gros vaisseau, ça. Faut pas hésiter à fuir. Ah non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais je vois pas du tout où il est, hein. C'est pas grave. Ils sont 10 là-bas. Ça me paraît quand même assez dangereux. 10, 10, 10. En fait, ils sont 10 partout. Je vais attendre quand même que mon bouclier remonte un petit peu plus. Et je vais tenter. Par contre, je vais perdre tellement de temps qu'à un moment donné, je pense qu'ils vont réattaquer ma base. Mais lui, là, il est tout proche. Je vais le tenter. Les autres sont quand même assez éloignés. En tout cas, celui-là, il est en solo. Ouais, c'est cuirassé. C'est exactement ça. Ça va me prendre un petit moment pour le péter.
Shields are offline. Ouais, c'est pas grave. Target destroyed. Voilà, ça c'est fait. Donc c'était bien ce point-là. Il se trouve où? Ici. Je vais attendre quand même que mon bouclier se remette. Je suis vraiment à côté de ce qu'ils viennent vers moi. Bon, si jamais, j'ai toujours aussi une protection supplémentaire. Avec le numéro 6 et le numéro 8, je crois. La touche 6 et 8. Là, en bas à gauche. Bouclier et puis réparation. Ça peut toujours me servir au cas où. Il faudra que j'utilise aussi le boost pour mes armes. Tout boost. Ou alors le défensif. J'ai tenté le défensif. C'est rare que je l'ai fait. Et il est vrai aussi là que j'ai la mission toujours. La mission de la confrérie là. Que je n'ai pas encore tenté. Allez, je vais avancer un petit peu. Voir lesquels vont venir vers moi et lesquels je vais pouvoir sélectionner en premier. Ok, là-haut, comment déjà me tirer dessus. La station, on tire quand même très loin. Shield recharges. 16 000. Ah, ça change des séragons, hein, ça c'est certain. J'ai quasiment plus de bouclier. Pour le moment, ça va, je tiens encore. Plus que 6. On va se faire cela. Et c'est tant mieux, on est un peu plus éloigné de la station. Je sais pas, faut que je trouve des armes en fait ailleurs là. Je pense que je dois monter d'un niveau avec
deux collés là. Target shields down. On va faire ça comme ça. Weapons overheat. Target destroyed. En fait, j'ai l'impression que c'est plus efficace. Non, c'est pas vrai. Target destroyed. Ok. Plus que 3. Tiens, il est là-bas. Bon, je vais me faire tirer dessus par la station. Je dirige vers le bouclier, ou alors est-ce que je vois? Je vois pas l'autre de toute façon. Je vois pas l'autre point. On va se faire le bouclier, de toute façon, il va falloir le faire. Je vais m'arrêter à distance et voir s'il y en a un ou deux là qui vont venir vers moi. Plusieurs, mais au moins qu'ils soient à distance de la station. Je sais pas si celle-là elle va tirer. On verra bien. Allez, il est quelle heure? Ouais, il me reste plus beaucoup de temps. Allez, on va tenter. Je pensais que la vidéo serait un petit peu moins longue. La station n'a pas l'air de me tirer dessus, c'est déjà un avantage. La station me tire dessus aussi. Donc toutes les stations ici me tirent dessus. C'est un petit peu plus short. Je pense quand même qu'il va falloir... Il va falloir changer de vaisseau. Hein. Target destroyed. 34 000, là par contre je prends cher. C'était pas loin. On va attendre un petit peu. Il en reste 5 en tout cas à la station.
Ouais, ça va être quand même très 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 long. Je pense que cette vidéo sera en deux parties parce que j'aurai pas le temps. Ah non, mais je peux pas sauvegarder en fait. D'accord. Non, je peux pas. Et si je fais comme ça, 25? Non, je peux pas. Ok. J'aurais tenté en tout cas. Mais non, là il faut absolument que je change de vaisseau et en plus de ça que je me prenne tous les meilleurs matériaux parce que là, level 18, 17 et là level 16, 15, 14, c'est un peu limite quand même, hein. Ah mais les armes, d'accord, je suis en T combien? T2, T3 je crois. C'est pour ça qu'elles sont si bonnes que ça. Et puis, ah, mais je les avais achetés vu que je suis. Quel niveau déjà? Pour les guildes, je suis au rang 2 en fait avec les freelancers. Et c'est là-bas que je vais pouvoir améliorer. Et m'acheter les armes qu'il me faut. Donc, je vais faire un saut là-bas la prochaine fois. Si jamais je dois reprendre la sauvegarde, je vais faire ça et je pense que c'est ce qui va arriver parce que là il me reste quoi à peu près 10 minutes. En 10 minutes, j'arriverai pas à descendre les 25 qui restent et encore 25, il en reste 30, je dirais. C'est un peu short. Mais bon, puisque j'ai commencé, on va quand même tenter comme ça. Quitte à aller mourir, de toute façon, c'est foutu, c'est foutu. Mais au moins je saurais que pour les attaquer, ceux-là, il va me falloir des améliorations. Parce que là, je ne tiens pas, quoi. Pour la défense. On va voir si on tient bien. Je sais pas trop combien de temps ça va durer. C'est déjà fini, je crois. Target destroyed. Oula, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 7, 8 pour la réparation. Ça va réparer un petit peu le vaisseau quand même. On va utiliser le numéro 6 également pour le bouclier, ça remonte aussi un petit peu. Ça aide, mais c'est pas encore ça. Ils sont de nouveau deux vaisseaux là. J'ai jamais vraiment eu ce bug là. Trois vaisseaux. Ah merde. Target destroyed. Target shields are down. Ah, j'ai pas fait attention. Oh là là, c'est bon, il est mort, lui. Ok. Il est trop loin.
Quoique, bah, c'est le dernier qui reste. Par exemple, maintenant que j'ai les boucliers à fond, bon, j'y arrive quand même, hein, mais il me faut beaucoup de temps. Et maintenant que je suis en guerre contre eux, ça risque d'être assez compliqué. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Hein. D'accord, ça c'est un gros. Lui il est pas là pour plaisanter. Weapons overheat. Target destroyed. Tiens, il doit y avoir un bug en fait, parce que là j'ai l'impression que je résiste. Les boucliers tombent pas. Target shields are down. Ah. Non, bouclier tombe pas du tout. Donc du coup, je suis invincible en ce moment. Est-ce que j'ose en profiter? Mais bon. C'est du use bug. Et je sais pas si je devrais continuer à faire la guerre contre eux, mais bon, de toute façon, ils m'attaquent déjà. Donc pourquoi ça changera pas grand chose, je pense. Combien est-ce qu'il en reste? 0. Ok, ça c'est réglé. Mais bon, c'est vrai que... En étant invincible, ça aide beaucoup. Hein. C'est pas très chevaleresque. Hein. Ce sera pas la première fois. Pas dans ce jeu-là, dans un autre en tout cas. Mais il me semblait déjà avoir remarqué ce problème à un moment donné. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils me font pas trop de dégâts ou qu'ils me loupent. Et c'est après avoir utilisé donc les compétences spéciaux là que ça m'a fait l'invincibilité. Ah, on a un autre transporteur, ok. J'utilisais contre-mesure hein, par principe, quoi, même. Target destroyed. Voilà, ça c'est fait. J'ai l'impression qu'ils se font péter par leur propre station.
on va tenter. Ah, je vais tenter jusqu'à la fin. Target destroyed. Target shields down. Target destroyed. Il nous reste deux. Ils sont... Les deux ont pété, donc c'est bien la station qui les pète. Hein. Et puis le centre, maintenant, je crois qu'il y a aussi un gros vaisseau par là-bas. On va aller voir ça tout de suite. Et ensuite, je vais pouvoir faire bouger les autres et voir un petit peu comment ça se passe. Et j'ai juste envie de voir quelque chose également. Ouais, donc ils montent de niveau quand je vais attaquer à leur place. Toujours bon à savoir aussi. Un transporteur, on s'occupe de lui. Mais bon, sinon, c'est vrai que la mission là, elle aurait été très difficile. Même avec. Même si tous mes lieutenants là seraient level maximal, on va dire level, je sais pas, 25-30, ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Je vois pas trop comment est-ce qu'ils pourraient se démerder. Target destroyed. Je pense déjà on n'est pas censé pouvoir les attaquer au stade, à mon stade actuel en tout cas. Ah, j'ai pas fait gaffe. Target destroyed. Il y en a qui rôde à côté de moi. Target shields down. Target destroyed. Target shields down. Weapons overheat. Target destroyed. Mais bon là c'est vrai que c'est pas... C'est un peu chiant parce que c'est un peu trop simple là quand même. C'est juste un peu long, c'est tout. Target destroyed. Encore un autre. Target destroyed. Ah, vas-y. Allez, dernier résistant. Target
Target destroyed. Parfait. Allez, on passe au step suivant. On va voir un peu comment ça se passe. Ils vont là-bas, il y en a déjà un qui est quasiment mort. Ils sont à peine arrivés. Il y en a déjà un qui est mal. Ah, ils se font mitrailler, ça c'est certain. Ouais, là, ils sont en train de mourir. J'en ai déjà perdu un. Ouais. Notoriété 5. Faction, j'en ai perdu 2. J'en ai déjà en perdre encore un autre. Un ici. Ouais, non, là on se fait vraiment défoncer. Hein. Sans vaisseau en plus. Hein. Là, on a perdu pas mal de monde. Hein. De là et de là. Pas encore réussi à prendre la moitié. Ça risque de prendre beaucoup trop de temps. Bon, de toute façon, ça sert à rien de continuer. Je pense que je vais m'arrêter là. Franchement, c'était un bon SF là, quand même, que je vois ce que ça vaut. Même avec mon bouclier invincible, etc., c'est quand même compliqué et un petit peu chiant. Donc voilà. La prochaine fois, je pense que je vais reprendre la sauvegarde et puis je vais faire autre chose. Je vais commencer à me faire un petit peu d'argent. Je vais aussi entraîner les autres troupes et je vais peut-être m'attaquer à une nouvelle, enfin pas une nouvelle colonie, mais de nouveaux systèmes, mais pas aussi costaud que, parce que là c'est pas la peine. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.